Entre les beaux et les jolis. Tac. Tac, allez. On est parti. Ah, on est parti encore sur un show match entre les beaux et les jolis. Les anciens de la Mystery. Et on est, on va faire un 3 contre 3. Comme hier. Ça va être assez fun. Et on va déjà ban la Ying, qui est presque souvent ban. Hein. Elle était très souvent ban, surtout sur le championnat V1, 1-1-V1. Et on va ban la Dokkaebi aussi. Pour l'instant, c'est des bans assez communs qu'on trouve. On trouve assez couramment. Allez, les beaux, on va prendre une Solis, bien sûr. Pour l'instant, c'est des bans communs, toujours. Et le défenseur, on va prendre et bon, on va ban la Valkyrie. Allez, on est parti sur maison. Une map que tout le monde connaît maintenant, on va dire un petit peu par cœur, grâce au AV1. On est parti avec un Ace, une Amaru, avec Brandao. Ah, tiens, on va peut-être faire une insertion rapide et intermite pour ouvrir de la part de Pinot. Allez, faites-nous rêver, messieurs. Et on va prendre déjà la Master. Allez, les deux murs Master XT sont déjà faits. Et on va perdre le drone tout de suite. Barbelé sur le top rouge. Dispositif de dissuasion déployé. Et on est sur les BP Master. Master chambre auto. Fortification du mur effectuée. Bon, les drones sont assez connus. Hein, au niveau du tabouret de la chambre auto. L'objectif d'Alpha est de désarmer. On a fait une grosse rota au niveau du Dressing Master. Allez, Brandao sur. Sur le toit, Artemis sur le balcon, salle de bain, et Pinot, allez, on perd pas de temps. On va déjà ouvrir le mur master. Attention, la fenêtre à gauche. Voilà, ouverture déjà faite, et la deuxième va être complétée par celle de la. Deuxième mur master, là c'est autoroute de la part de Brandao. On attend un faux pas. La Mélousie dans la bibliothèque. On attend. Donc, il regarde le drone. Ah, on va perdre le drone. Est-ce que on va s'insérer plutôt sur la salle de bain? Ah, t'es missillé déjà au niveau du couloir. Et on se barricade de la part de Loupi. C'est ce qu'on attendait. La faute sur l'autoroute, c'était plutôt bien joué des deux côtés. Et on est sur un 2-2. Voilà. Moindre erreur sur maison se paye cash. Et on est toujours sur cette ligne autoroute avec Brandao. On est à 1:17, on a encore le temps.
Artemis dans la master au niveau sur le lit. On se revoit de l'autre côté. Et on s'insère au niveau du rose, la chambre rose. Oui, c'est un peu compréhensible. Et on y va tout de suite avec Artemis de la bibliothèque. On est sur un 1 contre 1. Allez, faut jouer ce qu'on a appris. Les travers, ça passe pas. Jagash sur la Mélosie. Garde la ligne master. Et Artemis. Attention, peut-être au bruit. On est sur maison. Le sol, on l'entend bien. On perd le drone. On perd son copain. Ça se joue à pas grand chose. Allez, top main, on se repositionne au niveau de la salle de main pour Jagash, pour prendre une ligne bibliothèque et avoir plus de mobilité, avoir plus de lignes possibles. Attention Artemis à cette ligne, ça connecte un petit peu, pas tout à fait, ça va être trop tard. Et ça pose, on met une clé mort et ça va être trop tard. Ah, ça se joue à une seconde près. C'était plutôt bien joué. C'était plutôt bien joué de chaque côté. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, Jagash sur mute. Spotis sur le caïd. Et Noupi. Noupi sur l'Azami. Allez, on prend les informations avec les drones. Bien sûr, c'est sous les véhicules. Et on en met un de la part de Pino sur la gaming. On va jouer peut-être la verticalité avec le sledge. On va renforcer la lunderie de côté. On fait une grosse retard au niveau du mur sport qui donne... Sur le camion blanc et une retard au niveau de la lounderie aussi. Et on va s'insérer. On va s'insérer au niveau du jacuzzi pour Brandao. Artemis, lui, va passer plutôt garage, devant le garage. Et Pino, allez, on y va. Pino va déjà sur. va déjà sur le gaming et on demande sans doute à Sledge de faire la verticalité et de casser la trappe lounderie. Le sport, plutôt. Pino déjà positionné dans le gaming. On attend Brandao. Alors, ça c'est bien, mais on se fait reconnaître quand même pendant ce temps-là avec ses tirs. Allez, A3. C'est plutôt bien joué. Ah, on va faire... On va faire l'ascenseur. C'est plutôt bien joué. Et on est rendu dans ce sport. Et le C4 va tout. Va tout. Va tout aspirer. Ah, c'était bien essayé, mais quand même sur sport. Sur sport, c'était assez compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de lignes. on apprend ça sur Minecraft. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Magnet déployé. Magnet paré. Allez, messieurs, on est parti. On a quand même des très bons joueurs hein, de chaque côté. Il y a quand même un bon niveau. On se fait pas avoir comme ça. Brandao a plutôt un bon drone hein, au niveau du main. Ah, faut arrêter de faire du bruit avec ça, de le tourner à gauche, à droite. Et on est parti sur la chambre rose, la chambre auto. Et on
va chercher Spunky, toujours avec Spotis. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Ouf, le temps de réaction d'un papy de 70 ans. À part de Spotis, on a tout foiré. Et il nous plie tranquillement. On fait le ciment. Au niveau du dressing chambre rose. Et Brandao tranquillement va aller sur la chambre sport faire notre roaming. Artemis. Allez, un peu de mal quand même à ouvrir une de fenêtres. Ça fait deux chargeurs. Et on tient la part de Spotis, on tient la cafette, on tient le proxy, on tient le rouge aussi de la part de Jagash. Ouais, c'est plutôt bien joué, on est bien positionné hein. De chaque côté, on s'est inséré de la part de Pino. Ah, le chambre à jouer, bah oui, mais on rentre tous de la même... Oh là, l'agressivité d'Artemis, et ça a failli passer deux fois, et Spotis. Tout seul, on avait un avec Pino, et on n'a pas fait des lignes. Et c'est un peu tard, est-ce que ça pose? Et ça pose. Oh là 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 là. Ah là là. Alpha doit protéger les désamorceurs. Position en danger. La jouer à deux. Ah, il fallait sans doute qu'Artemis soit plutôt au niveau de la fenêtre chambre à jouer que de rentrer tous les deux sur le même BP. Ça a failli passer. Spotty sur Kavera, Jagash sur X, Noopy sur Lésion. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Et on va jouer la Master. La Master avec la chambre auto. Voilà, un peu de mal. Allez, rota sur le Dressing Master. Et des petites lignes sur la room bibliothèque. Et on est toujours assez agressif de la part de Spotty. On le sait de l'autre côté. On le sait maintenant que ça va jouer un spawn kill au niveau de la cafette. Barricade déployée. Bip bip de la part de Jagash. Et on est parti. On est parti avec Pino. Pino Latuka. Bien positionné, allez, on rome un peu avec la cave. On finit les renfaux. Et on ouvre déjà la master. Brandao, on perd pas de temps. On a la chambre. On a la chambre à jouer pour Pino. C'est un point qui est. Dès qu'on a la chambre à jouer, on a un peu le... Pas qu'on a le monopole, mais on a quand même une force qui est assez présente. Ah là 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 là, on se jette un peu bêtement la part du Lésion. Par contre, on maintient toujours l'escar rouge. On va aller le chercher. Eh, on va peut-être pas passer par cette bridge. Jagash. Dans la chambre rose. On écoute. D'où ça vient, on sait que ça vient, voilà, maintenant on a une info que ça vient au niveau du sport, on va s'annoncer de la part d'Artemis, non, on préfère reculer, on l'a vu, on l'a entendu, parce que quand on voit, quand on entend Artemis courir, on l'entend de loin. Là, les lignes. Est-ce que ça a été fait exprès? Allez, on va remonter tout de suite la part de Spotis. On sent que ça va être au top. C'est en train de travailler la chambre à jouer. Et là, on est à proxy BP. On n'est pas très très loin. Et on n'a toujours pas fait de ligne. Hein. Ça va planter tout de suite.
Et on est dans la master, on a du crossfire. On a du crossfire. Et maintenant on a l'info que Spotty c'est dans le rouge, de remonter et on plante. Et on sait pas trop quoi faire avec Artemis. Spotis sur la master. A eu Brandao. Allez, on se prend des. On se prend des air jabs. Oh, on lâche la plante, mais on l'a de l'autre côté au niveau de la chambre auto. Le 3v3, ça peut aller très vite. C'était plutôt une belle attaque bien construite. Je pense que Pino a pas mal communiqué d'un point de vue stratégique. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. C'était bien, c'était propre. Et on reprend la master. Alors peut-être penser à faire une défense avec un peu plus de lignes que ça. Parce qu'on se fait avoir quand même un peu bêtement. Voilà. Le drone, on sait qu'on a affaire à une Mélusie. On la met dans la bibliothèque. Plutôt bien. Plutôt bien de la part d'Artemis. Son drone. Ah, déjà. Eh, on est toujours. On va être agressif de la part de Jagash. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Il prépare une diversion. Part de Brandao. Allez, on va laisser tomber. C'est plutôt raisonnable. Et Spotis qui est en bas. Hey. Je m'en doutais que ça allait se faire. Belle communication entre les deux. Je pense qu'il y a eu le tunnel vision. Ah non, c'était Pino. Je pense que c'était Brandao. Ah, les défenseurs sont déjà un peu plus agressifs d'un point de vue début. Sur le BP avec la Thunderbird. Noopy dans la chambre à jouer. Et on attend. Qu'est-ce qu'on attend de la part. Oh là là, ça va aller tout de suite! Ça connecte. Oh! Le C4 qui prend. Eh oui, quand même. Artemis qui arrive plus facilement à tuer les C4. C'était plutôt un bon flip. Bon flic. Et on est sur un 4-1. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Let's go. Allez, maintenant on va aller sur le garage. Un round demi de la part des beaux. Et on est quand même assez solide en défense. Pour les jolis. Alors on va faire la trappe. La trappe kitchen. Ah, c'est ce proxy quand même qui embête un peu les beaux. Plus que 5 secondes. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Allez, toujours Brandao au niveau de la rue latérale, on va se fixer devant le garage, et pendant ce temps-là, Pino,
On va aller sur, sur le stock. Puis, au niveau de l'escarrouge. Dans son roaming. Et Jagash plutôt reste sur le BP. Il est plutôt tout seul. Attention, parce qu'on est tout seul sur BP. Oh là, c'est dommage. C'est dommage, franchement ça aurait pu. Mais bien joué de la part de Jagash. Il est tout seul sur BP. Et on est repositionné de la part de Spotis au niveau de la porte garage. Ça va être compliqué pour les assaillants. On a quand même une bonne défense et un bon roaming. On communique plutôt... je pense qu'on communique plutôt pas mal de chaque côté. Ah, il faut qu'on réfléchisse, Artemis. Une 25, on a largement le temps. Spotis, on reste pas en place. Jagash, on respecte le BP. Voilà. Il manque un peu de stuff de la part des assaillants. Il manque un peu de stuff, d'utilisation de stuff. Faut dire que on est peut-être un peu fatigué. Ça fait deux grandes PP assez dures que tout le monde a fait. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Certains doivent tirer la langue. Allez, on change de côté. On est parti. On est parti avec une Frost, une Azami toujours et un bandit. Un lion, une Yana et un ace. Les drones sont plutôt propres au niveau des intersections. Le drone kitchen, un drone musique. Deux drones musique. Non, plutôt, on a conservé les trois drones. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, on va faire le mur d'autoroute. Allez, on va s'en serrer. Artemis, en roaming. On détruit de chaque côté, on met des bandits pour limiter une insertion, pour limiter une breach. On va se repositionner de la part de Spotis au niveau du balcon salle de bain. Et Noupi dans la musique. Et on drone. Et on drone. C'est plutôt bien joué. On n'a personne, on va se faire avoir. Brandao, on est toujours en phase de prep. Attention, Brandao. Oh là 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 là. C'est bien joué, mais... Et la master est entre les mains. Et on n'a pas l'info. Si, on a peut-être l'info de la part de Pino. Et on est deux déjà sur la master. On va poser... Ça va être compliqué, Artemis. Big Brother arrive. Y a pas de rota. Attention, le lion, il est juste derrière. Oh là là. Ça communique peut-être pas assez. Ouais, c'est plutôt bien joué de la part d'Artemis. Déjà un, c'est la chambre rose, mais là où... qui voulait tirer, le mur est indestructible. Pff,
manque un peu de solidité. Peut-être de la part des beaux. C'est bien joué, on est sur une balle de match. Il est joli, quand même assez sérieux. Prise d'information, on ne perd pas les drones, c'est propre. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Et on est sur une balle de match. Ah, déjà c'est mieux. Déjà c'est mieux. Au niveau des trous, c'est pas mal. Et on a toujours un positionnement des drôles qui sont très intéressants sur la cafétéria. Au niveau de la musique, et on en a perdu un. Non, on n'a pas perdu un. Voilà, c'est plutôt moi qui a mal appuyé. On a tous les drones qu'il faut pour une insertion. On sait qu'ils sont au top et au top. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la Master et... C'est la Master et la chambre auto. Ah, de bouger, Brandao. Écoute ce qu'il y a. Allez, on est plutôt full BP, on va jouer la verticalité avec Spotis. Oui, non. Ça va connecter. Non, ça connectera pas. Allez, il faut tenir cette chambre à jouer. Plutôt une power position. En roaming sur la cafette, on le sait qu'il est là. On va aller le chercher. Non, on va pas aller le chercher. Attention, oh, faut pas trop courir. On l'a entendu. On s'est repositionné au niveau de la de Sky Kitchen. On se fait avoir un petit peu, on perd un peu sur Artemis. L'amorceur d'Alpha a été abandonné. Epino, dans toutes ses œuvres. Et on est sur un 2 contre 1, ça va être compliqué. On a du mal à tenir le 2 top entre Artemis et Brandao. Et on sait qu'il est là, ça recharge. Ouais, ouais. Je pense qu'on a un peu de mal à... On a peut-être pu laisser en face des trous de la part de Pino. Et c'est une belle victoire, il n'y a rien à dire. 7 à 1. Merci messieurs pour tout. C'était toujours intéressant de vous voir. Et je vous dis à la prochaine.